Shalom, shalom à tous. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur soient toujours avec vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin, après un long moment. Alors je nous prie d'entrer dans la présence de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, notre Père, tu es béni. Nous bénissons également le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, trois en un, nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons la Sainte Trinité présente en chacun de nous. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la grâce de cette nouvelle semaine. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce mois d'octobre qui tend vers la fin. Nous voulons te dire merci pour les bons moments, mais aussi pour les mauvais moments. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les joies, mais aussi pour les épreuves, pour les peines. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour nos familles, pour les différents membres de nos familles. Merci, Seigneur, pour le travail que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour les études. Merci, Seigneur, pour nos différentes communautés paroissiales, ecclésiales, Seigneur. Merci infiniment pour la vie de ceux que nous aimons. Nous voulons te rendre grâce, parce que c'est encore un privilège d'être debout aujourd'hui avec toi, Seigneur. Nous voulons en ce jour louer et magnifier le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous a été donné par toi, ô Père. Nous voulons le louer, le célébrer, car la parole de ce jour nous dit que c'est cet Esprit qui nous fait crier « Abba, Père ». C'est cet Esprit qui nous permet de reconnaître cette filiation. C'est cet Esprit qui nous permet de reconnaître que tu es notre Père. Et c'est également cet Esprit qui nous révèle ton cœur, Père. Alors nous voulons le louer. Nous voulons louer le Saint-Esprit. En présence du Père et du Fils, nous voulons adorer l'Esprit de Dieu. Notre ami fidèle, notre consolateur, notre défenseur. Alléluia. Oh, je veux te louer. Oh, je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oui, je veux t'adorer. Saint-Esprit, viens.
peut chanter ça avec moi. J'ai tout quitté, Saint-Esprit, pour te servir. Alors viens et remplis ma vie. Alors viens et remplis-moi. Alors viens et remplis tous les compartiments de ma vie qui ont besoin. Alléluia. Alors je veux fortifier un frère, une sœur. Je veux fortifier quelqu'un qui est persécuté à cause de sa foi. Persécuté à cause de son service. Peut-être tu es persécuté dans ta famille, dans ton lieu de travail, autour de toi. Les gens se moquent de toi, les gens disent... Pourquoi tu pries tous les jours mais on ne voit pas de résultats, ta vie est toujours bizarre. Mon frère, ma sœur, je veux te fortifier ce jour et te dire qu'il y a de l'espoir. Tant que Dieu est vivant, il y a de l'espoir et il est vraiment vivant. Je prie son esprit de te rejoindre, son esprit de force, son esprit de foi et de persévérance. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul. Que Dieu t'accorde sa force. Saint-Esprit, de ce que tu n'es pas limité. Merci Saint-Esprit, de ce que tu es ce vent qui souffle comme il veut, là où il veut. Et nous sommes confiants que tu as encore soufflé sur nous dans nos vies. Alors merci Saint-Esprit pour ta présence qui nous rassure, ta présence qui nous fortifie, ta présence qui nous soutient, Saint-Esprit. Merci, reçois la louange, la gloire et l'adoration. Merci, Saint-Esprit, que ton nom soit à jamais béni. Alléluia. Amen. Je te souhaite une belle journée. Que l'Esprit de Dieu demeure en toi et avec toi. Demeure dans cette intimité avec lui. Il te fera beaucoup de bien.
Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.